L'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul sera-t-elle rebaptisée en mosquée Sainte-Sophie après les élections locales du 31 mars ? C'est ce qu'a évoqué dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan, provoquant la surprise de la journaliste qui l'interrogeait. Construite au VIe siècle à l'entrée du détroit du Bosphore et de la Corne d'Or, la basilique Sainte-Sophie fait régulièrement l'objet de polémiques entre chrétiens et musulmans qui se disputent son utilisation. Cette église où étaient couronnés les empereurs byzantins avait été convertie en mosquée au XVe siècle après la prise de Constantinople par les Ottomans avant d'être transformée en musée sous le régime laïque d'Atatürk. Le président Erdogan a fait cette déclaration en pleine campagne pour des élections locales qui s'annoncent serrées dans plusieurs grandes villes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, les activités liées à l'islam se sont multipliées à l'intérieur de Sainte-Sophie, avec notamment des séances de lecture de versets du Coran ou des prières collectives sur le parvis du monument.